5 filles vs un mec qui n'a jamais eu de copine. Salut, moi c'est Noah et bienvenue pour une nouvelle masterclass. Lui, c'est un pote à moi, Gibby. Et Gibby n'a jamais eu de copine. Yo. En voyant mes 4 dernières vidéos, il a tout de suite décidé de m'appeler. Reconstitution. Salut, j'ai besoin de ton aide. Ok, et c'est comme ça que tout a commencé. Aujourd'hui, on l'a donc mis sur son 31 pour lui trouver la femme de sa vie. Derrière ce fond bleu se cachent 5 filles incroyables qui ont 5 personnalités différentes, mais un seul point commun. Elles veulent toutes sortir avec Gibby. Qui va-t-il choisir? Eh bien peut-être aucune d'entre elles. En effet, après chaque tour, Gibby aura le choix entre continuer la vidéo et ainsi se rapprocher de la femme de sa vie, ou alors repartir avec la somme d'argent qui se trouve sur cette table. À toi de voir ce qui va le plus t'intéresser. La somme doublera à chaque tour jusqu'à atteindre 1000 euros. Bonne vidéo. Ah pardon, tu vas bien? Je fais genre je t'ai pas vu en fait depuis. Il a pas de soucis, je suis là. Salut, comment tu vas? Evan. On commence. D'ailleurs, sachez que cette vidéo est rendue possible grâce à une grosse dinguerie que moi-même j'utilise. Odoo. Odoo, c'est un logiciel qui réunit 1 milliard d'outils pour la gestion d'entreprise. Mais pas que. Par exemple, tu dois faire ton site web, tu crées ta marque de vêtements, comme moi? Bah tu cliques sur le premier lien en description et tu peux télécharger une première application qui est gratuite. Ainsi, tu pourras en quelques clics te faire un site web super complet. Bien sûr, après si tu veux un truc beaucoup plus poussé, tu peux avoir une seconde partie qui est elle payante. Pour moins de 20€ par mois, tu as accès à toute la suite d'applications. Regardez comment c'est simple. Actuellement, je bosse sur un rework du site de ma marque et en quelques clics, je peux le peaufiner. Regardez, tu drag and drop les images là où tu veux, tu choisis ou alors tu crées ton propre design. L'hébergement est gratuit à vie, tout comme le support. Et le nom de domaine, genre par exemple, tu vas appeler ton site j'adorelesnouilles.fr, tu peux le réserver pendant 1 an gratuitement. Regardez, on va faire le site en même temps que vous. J'adorelesnouilles.fr. Hop, je choisis le design, je drag and drop des images et voilà, j'ai mon site j'adorelesnouilles.fr. Bon, tu peux faire un truc bien plus stylé, on est d'accord. Alors si vous voulez faire votre propre site web, e-commerce ou peu importe, le lien est en première ligne de description. Téléchargez Odoo avec le premier lien et faites-vous plaisir. Essayez en vrai, vous allez kiffer et t'as rien à perdre, la première application est gratuite. Bref, on reprend avec la vidéo. On commence. Très bien, Gibby, sur ce plateau, il y a 100 euros. Est-ce que tu décides de repartir avec et on annule tout? Ou est-ce que tu décides de commencer la masterclass finalement? On peut commencer hein, si je puis dire. C'est parti, on commence. J'aime bien, j'ai trop hâte. Tu as maintenant 2 minutes pour leur poser des questions. À la fin de ce compte à rebours, tu devras en éliminer une. Et ouais, déjà. Elles ont l'air incroyables. La fille tout à gauche, comment vas-tu? Ça va super, et toi? Bah écoute, hein, je vais très bien. Rien qu'en te voyant, franchement, je vais hyper bien. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Anna, et toi? C'est moi, Gibby, mais tu peux m'appeler l'homme de ta vie si tu veux. Ah ouais, carrément. Comment t'as jamais dit une meuf alors que tu parles comme ça, gros? On est d'accord, hein, charo, hein. Est-ce que vraiment ça a déjà fonctionné de parler comme ça? C'est vraiment... La fille en noir avec les chaussures blanches, comment t'appelles-tu? Anna, et toi? Il y a 2 Anna ici? Oui. Ah bon? Ah bah ça me surprend un peu. Attends, donc il y a Anna et Anna? Oui. Bah voilà, en fait... On va passer à la prochaine personne au centre avec les chaussures noires et le pantalon noir. Plutôt le pantalon d'elfe et d'éléphant. C'est comment on dit? Le pantalon d'elfe. Le pantalon d'elfe. La fille du milieu, comment t'appelles-tu? Anna. Non, je rigole. J'étais pas prêt, je commençais à m'énerver. Non, je rigole. Abir. Abir? Abir, très joli. J'aime bien le nom, franchement. Il vient d'où? Abir, c'est une fleur au paradis. Waouh. La fille avec les Jordan rouge, noir et blanc. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Clara. Oh, salut Clara. Oh, il est charmé là. Ouais, il y a un truc. Oh. Pour l'instant, je n'ai aucun avis si j'aime bien le prénom Clara. Et pour finir, la fille en tenue d'inspecteur gadget. Comment t'appelles-tu? Colline. Colline qui est très heureuse de s'appeler Colline. Ça fait 5 meufs que j'attends. Mais Gibby, il aime bien laisser hein, le Clara, il y a une réaction, Colline, réaction. Bon, je pense que maintenant on peut passer aux questions un petit peu plus personnelles, si je puis dire. Rentrer dans votre intimité. Dites-moi les 2 Anna. Attends. Je crois qu'elle est un peu... Elle a un peu souffert. Ouais, en fait, je m'angoisse. Non, mais elle a pas dit je suis timide, elle a dit tu m'angoisses quand même, je suis pas sûre que ce soit bon. Bah nickel alors, sympa. Et la deuxième Anna, du coup, tu fais quoi dans la vie? Je suis étudiante en communication. Tu communiques quoi? Bah... Soyez indulgent, il n'a pas eu de copine. Mais il a déjà rencontré des humains. Ok, Abir, la fille du milieu, que ferais-tu pour rendre notre monde parfait? J'aimerais bien éliminer tout ce qui est racisme, tout ce qui est discrimination. C'est très important. Ma reine Abir. Je valide parfaitement. On peut lui mettre une petite couronne, là, comme ça, si tu veux. Trop chou, elle a fait des petits cœurs. Clara, la 4e fille, pantalon baggy, toi-même, tu sais. C'est quoi ta série préférée? C'est Peaky Blinders. Oh! In a town, town, a C'était une imitation de l'intro, c'était vraiment mauvais. Très bien.
Le temps est écoulé. Il faut à présent que tu élimines l'une des filles qui se trouve derrière ce fond bleu. La pression est à son comble. Une fois que tu l'auras éliminée, la somme affichée sur cette table va doubler. Colin, j'ai envie de te garder pour la suite parce que j'ai pas eu le temps de discuter avec toi. T'inquiète pas, t'es sur ma liste. Ok, super. Clara, je t'aime bien, juste parce que j'aime bien ton prénom. Du coup, je vais te garder encore un petit peu parce que j'ai envie de te découvrir un peu plus. Et surtout parce qu'elle regarde Peaky Blinders. Habillère, pantalon, pas de def, juste parce que tu as un pantalon d'éléphant, j'approuve totalement. Du coup, tu restes avec moi. On perd une nana? Oh putain, on perd une nana. Et c'est là où ça joue sur les deux nanas. Si l'une tombe, l'autre brombe avec un rire. C'est pas vrai. Il y a une des nanas que j'ai aimée. Il y en a une que j'ai moins aimée parce que, à ce qui paraît, je l'angoisse. Alors, je suis désolée, Anna. Je m'angoisse. Mais vu que je t'angoisse, et c'est avec tristesse que je vais éliminer... Anna 1. Anna l'angoissée? Non! Mais j'adore son outfit en plus! Anna, tu peux à présent venir devant. Anna l'angoissée? Incroyable. Putain! Elle est trop belle. Mais moi, c'était franchement l'outfit préféré de ceux que je voyais. Oh, Clara est très bien aussi, moi j'aime bien. Mais c'est parce que tu me stresses, je suis désolée. Je te stresse. Ouais, salut. Mais... Je te prends pas mal, hein, t'inquiète. Tu pars comme ça avec fierté, honneur, j'aime bien moi. Au moins t'as été honnête. Ça se voit, il est déçu un peu. C'est où? Il a vu sa tête, il me dit, oh, c'est ça que j'ai raté. Le fond blanc va à présent monter pour passer au prochain tour. Sur ce plateau se trouvent maintenant 200 euros. Est-ce que tu repars avec ou est-ce que tu continues à te rapprocher de la femme de ta vie? Foutu pour foutu, autant continuer, voyons donc. 200 balles quand même. T'es sûr? J'en suis sûr et certain, on continue. Et j'irai jusqu'au bout du monde pour trouver ma future femme. Oh. Tu as maintenant 2 minutes pour leur poser des questions. À la fin de ce tour, tu devras en éliminer une nouvelle. Et la somme doublera à nouveau. 200, on passera à 400. On passera à 400. Oh. Je vais commencer par Colin, la fille à droite. Mm-hmm. On n'a pas eu l'occasion de discuter. Ouais, c'est vrai. C'est qui ton artiste musical préféré? Moi, j'aime beaucoup Jaja Dinaz. Ah, qui? Jaja Dinaz. Ah ouais, je vois trop qui c'est. T'es un boomer, mec, t'es un boomer. Ok. Baggy jeans bleu, Clara. C'est qui ton artiste musical préféré? Je pense que ça se joue entre Queen et Harry Styles. Wow. Oh, j'aime bien. Incroyable. Du coup, t'es plus style pop, c'est ça? J'aime bien tout, genre rien ne me dérange. Tu peux nous faire une petite cover comme ça? Non. Allez. C'est pas The Voice, normalement. On y réfléchit. Habir, la deuxième en partant de la gauche, quel est ton animé préféré? J'hésite entre Naruto et One Piece, mais je vais dire One Piece. Je crois que la meuf à gauche, elle a envie d'adorer. Ouais. Anna veut répondre. Ah bah ça reste numéro 1 One Piece, hein. Le check entre Anna et Abir, on rappelait toi et moi, Noah. Ouais. Regarde, viens, on check. T'arrives pas. Bah dites-moi de me barrer, hein. Naruto, c'est pas mon truc. Mais du coup, t'aimes quoi? Je suis plus My Hero Academia, Demon Slayer. Ok, Clara. Imagine qu'on est dans un bar, tu me croises par hasard et tout, et que tu souhaites me draguer. Qu'est-ce que tu voudrais faire? Alors, je suis un peu une bille en drague. Du coup, normalement, comment je drague? Je suis pas super sympa avec le garçon, genre en mode chien et chat. Voilà. Grave toxique, Clara. Il y a un mec qui vient de voir, tu fais un doigt d'honneur direct, en fait. Oh non! Eh ben, Peaky Blinders, normalement. Mais Clara, c'était ma préférée, putain! Je suis Thomas Shelby, les gars. Ah oui! Et toi, à droite, comment tu ferais pour me draguer? Déjà, je m'assois à côté de toi, je te parle, je te regarde droit dans les yeux, très important. Mm-hmm. Je te taquine. J'aime beaucoup taquiner la personne, parce que s'il n'y a pas de complicité, pour moi, il n'y a pas de séduction. C'est vrai. Voilà. Elle parle tellement à l'aise. Hein. De ouf. Colin, t'as déjà pris un râteau, toi, ou pas? Non. Jamais. Et comment c'est possible que tu n'aies jamais eu de râteau? Parce que j'ai pas eu beaucoup de copains dans ma vie. Ou alors parce qu'elle est incroyable, peut-être. Elle est peut-être incroyable. Ou alors, tu vois. Pour moi, je mettrais Clara choix numéro 1 et Colin en choix numéro 2. Anna, la fille tout à gauche, du coup. Tu pourrais me dire tes red flags? Un mec avec pas de passion. Genre, il aime rien. Ou il aime tout, mais il y a pas quelque chose qu'il aime encore plus. Oh, j'ai une très grande passion. C'est clairement. Ce serait vivre à tes côtés. Mais bon, on verra pour plus tard. Oh là là, mais quel charreau. Je commence à comprendre pourquoi il n'a pas eu de meuf. Hein. Le compte à rebours est arrivé à 0. Tu dois à présent en éliminer une parmi les 4 filles qui se trouvent en face de toi. Qui vas-tu choisir? Pitié, pas Clara. Ni Anna. Je trouve qu'elles ont chacune un truc. Il faudrait que je trouve le truc que j'aime le plus en fait. Je vais vous poser une question qui va départager absolument tout le monde. Entre Demon Slayer et My Hero Academia, lequel vous choisissez? Demon Slayer 2. De même avis que Anna, en fait. On garde My Hero Academia aussi. Hein. Moi, je crois qu'on va me juger, mais pour le coup, Demon Slayer. Colin est la seule qui a été à l'opposé des 3 autres. Ah là là là, purée. Bon, il y en a 3 qui ont répondu My Hero Academia, et celle de tout à droite, Colin,
a répondu Demon Slayer. Qui vas-tu choisir d'éliminer? La balle est dans ton camp. Hop, attrape. Oh. Ya yeah. Qu'est-ce que tu vas faire? Eh, hey, en vrai, c'est grave dur. Bon, Colin, je te garde. Tu es quand même Demon Slayer. Oh là là, c'était donc ça la bonne réponse. Tu es la seule à avoir répondu Demon Slayer. Même si pour moi, c'est une bonne réponse. Mais c'était un piège. Il n'y a pas de bonne réponse. Car les deux sont tout simplement deux animés géniaux. Oh là 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 là. La braille. Du coup, juste pour l'originalité, Colin, je te garde. Ok, merci. Clara, pour le game, très bien, je te garde. Tout va se jouer entre les deux personnes habillées en noir. Ça va être dur, hein. Vous avez chacune un truc. Va-t-il éliminer les Anna dès les deux premiers tours? Je vais vous poser une question afin de vous départager. La couleur de vos dragibus préférés. Ouh. Très bonne question. Les c'est rouges. La... C'est quoi ta couleur de dragibus préférée? Le dragibus, t'as dit. Je dis dragibus en Suisse. Quoi? Quoi? Qui dit dragibus? Oui, en Suisse, on dit dragibus, allez. Bon, Anna. C'est le dragibus noir. Bah, bleu. Pour moi, c'est le dragibus bleu qui l'emporte. On perd les deux. Les deux Anna sont perdues dès les premiers tours. Pardonne-moi, Anna. Anna, tu peux venir. Oh mon dieu. Oh, le... elle est incroyable. Il est au bout de sa vie. Je me suis fait douiller. Je me suis fait arnaquer là. Très bien, merci Anna, tu es incroyable. Merci. Je vais pas te mentir, j'ai le seum. Au revoir. Au revoir, Anna. C'est ce qu'on dit, hein. Une de perdue, 10 de retrouvée. T'en as eu aucune jusqu'à présent, qu'est-ce que tu racontes? Ok, Gibi, tu dois maintenant faire un choix. Sur ce plateau se trouvent 400 euros. Hein? Est-ce que tu décides de repartir avec ou est-ce que tu continues à te rapprocher prends peut-être l'argent, mec, prends l'argent. De la femme de ta vie? Prends l'argent. Franchement, ouais, prends le bif. Hein. Non, l'amour, les gars, l'amour. On continue. Non. Let's go, le watch time. Très bien. Tu as maintenant une minute pour leur poser des questions. À la fin de ce compte à rebours, tu devras en éliminer une. Il en restera deux. Une minute. Moi, j'ai une petite question pour Abir. Oui. Si vous allez au resto tous les deux, tu commandes quoi? Déjà, c'est lui qui va m'inviter. Je le laisse choisir. Je suis allergique aux fraises, mais je mange tout carrément. Clara. Oui. La fille du milieu, du coup. Du coup, la même question? Exactement. Ok, bah ce serait sûrement un Italien. Contrairement à elle, moi je suis compliquée en nourriture. Clara, on voit que t'aimes les tatouages. Oui. Est-ce que pour toi, ton mec doit être tatoué ou pas? Non, c'est pas important, mais s'il en a, c'est un plus. D'accord, t'es tatouée? Non, mais peut-être bien, je m'en ferai un prochainement. Et toi, du coup, Colin? Alors moi, j'aime beaucoup le chili. En admettant que j'ai pas les sous et que vous voulez manger dans, allez, on va dire, un McDo, KFC ou Burger King. Vous voulez qu'on aille manger où? Clara? Burger King, j'ai travaillé, donc franchement, c'est le meilleur, normalement. Et donc, du coup, t'accepterais de faire un date, même si le mec t'invite, mais il ne paye pas, genre? Bah rien à faire, en fait on est en 2022, même la meuf elle peut payer. Oh là là, je t'aime. Oh là là, mais Clara. Oui. Alors oui. Abir. Oui. C'est quoi ton youtubeur favori? Je ne pourrais pas choisir, en vrai. Noah. Je préfère ne pas répondre. Noah. Non, arrêtez, laissez-la choisir, s'il vous plaît. Noah. Et c'est quoi la dernière vidéo que t'as regardée, genre? C'est par rapport à mon domaine, l'informatique. Ah, parce que tu fais quoi dans la vie? Ingénieur informatique. Ah putain, c'est difficile, hein, parce que franchement, les trois sont incroyables. Ouais, Colin, est-ce que tu regardes des youtubeurs un petit peu ou pas? Nams. Oh. C'est quoi tes qualités? Je suis très généreuse, je suis très solaire, je rigole tout le temps. Je suis compréhensive, à l'écoute. On dirait un CV. Bon, le compte à rebours est arrivé à zéro. Gibi, parmi les trois filles incroyables qui se cachent derrière ce fond bleu, tu dois en éliminer une. Qui vas-tu choisir d'éliminer? Je parle un peu comme ça. Ok, welcome. Tu nous as mis le stress. Les filles, ça va être un peu compliqué pour moi, car vous avez chacune un petit truc sympathique que j'apprécie. Je vais plutôt vous départager sur un point. Vous allez chacune me faire une disquette et on verra ce qu'il en reste. À bière. Bah moi je vais pas te sortir de disquette parce que si je te vois et que tu me plais, je sais ce que je veux, je vais venir te parler cash et voilà. Incroyable. C'est ce qu'elle veut. C'est très très beau. Elle a disquetté sans disquetter genre. En même temps, est-ce que les disquettes aujourd'hui marchent vraiment en 2022? Pas de ouf, pas de ouf. Non, Clara. Je commence un peu à avoir mal aux genoux parce que je suis tombée sous ton charme. Wow. Colin? Bah non, moi je reste sincère, donc je vais pas te faire de disquette pour te faire croire je sais pas quoi. Voilà, c'est tout, simple. Nous avons deux non-disquettes contre Clara, la disquette. On va l'appeler comme ça, Clara la disquette. Clara la disquetteuse. Qui vas-tu choisir d'éliminer? C'est maintenant. Je voulais tester un peu votre humour. Parce que l'humour, pour moi, c'est une chose qui est très importante. Je suis d'accord. Déjà, Colin, j'adore sa dégaine en mode inspectrice gadget. Ah, je vois pas le rapport, mais... Ça me fait penser un peu à la veste et tout. Juste la couleur de la veste. Je sais, la couleur, mais vas-y, la couleur fait tout. Choisis, gros.
Purée. Je sais pas, c'est grave dur. Tu dois choisir maintenant, mec. T'as 3 secondes. 3, 2, 1. Je suis désolé, Abir, mais pour moi, c'est la fin. Ah non. Oh non. Oh, elle est trop belle. Elle est trop chou. Elle est magnifique. T'as cru que j'avais les lunettes et tout parce que j'ai dit informatique, c'est ça? Non, pas du tout. J'avoue, peut-être c'est ça qu'il a arrêté, il veut pas dire. Je suis désolé. Bon. Bisous à Bir. Merci beaucoup. Bon, merci à Bir. Bon courage, merci. Merci. Putain, elle est polie, gentille, adorable. De ouf. Sur ce plateau se trouvent maintenant 1000 fucking euros. Wow. Oh mon dieu. La question est la suivante. Est-ce que tu décides de repartir avec peut-être la femme de ta vie? Ou est-ce que tu décides de repartir avec 1000 euros finalement? Que vas-tu prendre, 1000 euros ou continuer et terminer la vidéo? Je vais poser une question aux deux filles et vous allez devoir répondre avec un oui ou un non. En fonction que ça, tu pars soit avec les 1000 euros, soit avec l'une d'entre elles. La couleur vert, oui ou non? Oui. Ouais. Ils ont répondu la même réponse, c'est difficile. Oh purée, mais là. Le vert, pour moi, c'est la couleur parfaite. Ouais, de ouf, je suis trop d'accord. Je trouve vraiment que le vert, c'est une couleur incroyable. Votre signe astrologique. Clara, quel est ton signe? Je suis Sagittaire. Et Colline? Bah, je suis Sagittaire aussi. Mais attends. Okay. Attends, ok. Bon, les filles, les Sagittaires et moi, on va dire que ça fait... Oh non, il va choisir l'argent. T'es sérieux? Il va choisir l'argent. Quoi? Ça fait peut-être 34? Vu que je suis légèrement dans la hesse. Ah. Et également, non seulement je suis peut-être seul, mais ma mère m'a toujours dit, vaut mieux être seul que mal accompagné. Oh. Vous mentez. Donc je vais partir avec l'argent. Voilà! Non! Mais j'embarque également la fille rouge là qui vient d'arriver. Non, pas Mélie, hein. Oh non! Ah bah si. Mec, ça y est, c'est fini, il va s'en aller comme ça? Comme ça? Je suis désolé, vraiment, pardonnez-moi. Et où la fille rouge? Colline, tu peux venir devant. Ok. T'es classe. La débarque. Salut Colline. Mais il est passé à côté de tellement de choses. Bah moi j'ai trouvé ça très dommage qu'il soit parti d'un coup parce qu'il y avait le suspense jusqu'à la fin et d'un coup il part avec l'argent, autant le choisir dès le début. Sinon c'était super bien, le fait de pas voir la personne c'était cool. Je suis dépité qu'il est pas resté quoi. Je m'attendais vraiment pas à ce qu'il parte. C'est pas grave, c'est juste que c'est pas l'homme de ma vie, c'est tout. Un de perdu, 10 de retrouvé. Exactement. Voilà. Clara, ça y est. Salut Clara. Thomas Shelby. Ouais, pas la même dégaine mais c'est pas grave. On a des tatouages, c'est bon. Il est parti avec l'argent, bah c'était pas le bon. Après, avec les filles, on avait décidé de partir ensemble dans tous les cas. Donc, voilà. Donc je pars avec Colline, moi je suis contente. Incroyable. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Tu peux cliquer sur ton écran là, à tout moment, pour regarder notre épisode.